Salut à tous, c'est Sorator pour l'épisode 2 de Let's Play sur Red Dead Redemption 2 sur PS4 Pro. Donc nous avons sauvé un petit copain, on s'est fait attaquer par des loups. Et on rejoint le reste du groupe en théorie. Mais à première vue, il n'y a plus personne. Ah si, quand même. Putain, j'ai eu peur. Come on, let's get you warm. Thank you. Thank you both. This is a new low, even by your standards. Thank you, Arthur. Thank you. You got any other lost maidens need saving? Not today. Have you and Dutch talked about how we're gonna get out of this? I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks. I suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that civilization? I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss, let's get warm. Thank you, Mr. Morgan. We have been running for weeks. We found shelter and been resting here in some old abandoned mining town while we wait the thaw. Hardly the spring I had been hoping for. Alors, on est enfin un peu plus libre, j'ai l'impression. Ouais. Mission terminée, d'accord. Donc là, on vient de finir la première mission de scénario. Donc j'ai fait une grosse coupure pour l'épisode OFC. C'est ma spécialité. Alors, du coup, mission terminée. Ouais. Laissez-moi me repérer un peu. Parler à Bill ou Pearson ? PTDR, t'es qui ? S'asseoir. Je peux m'asseoir sur tes genoux, monsieur ? Non, je suis triste. What do you think, Arthur ? Well, I wasn't on that boat, so hard to say, but I trust your judgment, Dutch. Always have. Thank you, son. Je sais pas si le jeu est buggé. J'ai pas vu de news à ce sujet, Dictat. Mais bon, on a bien vu sur Tomb Raider, j'ai une scène random qui était complètement buggée, sans aucune raison. Après, j'espère que tout le jeu se déroule pas dans la neige, hein, parce que au bout d'un moment. Donc là, on a le cheval à côté, là. Non, c'est quoi ce symbole? Ah, je crois que c'était le symbole du cheval, mais pas du tout. C'est pour se poser. Salut, Mikael. Ouais, d'accord, Noah. Bagoua a ramené des gens. Je sais pas si on peut papoter. Ouais, ils sont en train de parler. Bonsoir, madame. Mais je peux même pas leur parler, wesh. Bonne équipe. Sandrine. Mais qu'est-ce que... C'est qui Sandrine? Alors... Est-ce qu'on a une map un peu plus collective? J'en sais... Enfin plus... Non, ça c'est pour la map. Non, c'est pas pour la map, c'est pour la vue. Ah si, on a une carte ici. Très bien. Ouais, bon ben... Voilà, on connaît pas trop l'étendue de la map pour l'instant. Allez hop, on va aller voir par là. Bonsoir, monsieur. Javier. Morning, Arthur. Help with you boys, because I thought you liked action. Couple of days on the lam, you lot have all turned yellow. Apart from you, of course. Shut up, Micah. I ain't never seen so many long faces. I guess folks miss them. That fell. But when I fall, I don't want no fuss. When you fall, there'll be a party. A party? Probably. Uh-huh. That funny, huh? Sure. I don't feel like being laughed at by the likes of you two. Stop it! Now! You fools, punching each other when Como Driscoll's needing punching. Hard! You want to sit around waiting for him to come find us? All of you, we got work to do. Come on,
You sure about this, Dutch? Yes. Folks been through a lot recently. We hardly back on our feet yet. And the last thing we need is to get bushwhacked by Colm O'Driscoll. Let's go. I know you hate him, Dutch. He's here for us. I doubt that. No, you're just doubting me. I would never doubt you, Dutch. You always said revenge is a luxury we can't afford. This is the right call, Arthur. Take this. And this is about more than revenge for business long ago. They were talking about trains and detonators here. Colm always had good information. Come on. And you think now is the right time to hit a train? Now you might fancy living on deer piss and rabbit shit. I'm getting too old for that life. Mr. Matthews, Mr. Smith, Mr. Pearson. Would you please look after the place? There are O'Driscolls about. Yeah. Yo. Southwest, right, Arthur? Yeah. He said follow the main trail southwest. They're camped near some lake. Okay. Let's go find these bastards before they find us and rob this core they're planning. Après, je veux bien dire bonjour à Sandrine, mais je sais pas qui c'est, moi. Parce que t'avais l'air de dire ça comme si je la connaissais, en fait. Mais Carhel ? Out here are us and them. They must be this way. You good, Dutch? Of course. Listen, I know you don't think much of my ideas recently, but this is the right move. Okay. You know I got your back. I learned a long time ago that you hit Colm O'Driscoll. Wait for him, and people you love will die. This feud between you and him needs to be put to rest, one way or another. It will be. Some things I can forgive, others I can forget. What he did to Hannibal, I can't do neither. You killed his brother, Dutch. Yes, I did. And hope the bastards will be reunited soon enough. That's how this'll end. Damn right, boss. See that smoke? Let's cut up here and take a look. They said it was near the lake. Fumée? Quelle fumée? On joue des nuages. Un casque. On manque un peu de fumée. Si, si, c'est bon. Mais oui, Noah, je suis choqué. Hein. Il y a eu un petit vent au début, mais c'est la débandade là. C'est qui Arthur là, mais qu'est-ce que... Avec RT Arthur, ça me stresse. Le mec tape dans ses mains. Ready. Ready, Dutch. Good. Now, Mr. Morgan and I, we're gonna head up here a little, see if we can't get a sense. Après RT Lara, c'est RT Arthur. Mr. Williamson, Mr. Bell, you two take up a hidden position just outside the camp. Mr. Summers, Mr. Escuela, you two... Hold position here. Je sais même pas qui est qui. Let's go. Je m'appelle Arthur, bah c'est une bonne nouvelle. Non. Salut Dark, Dark Cat. Alors, avancer vers le bord de la falaise. Oui, voilà donc. Je me rappelle pas trop du 1 en effet.
Ça date, hein. Je l'ai pas refait moi sur PS4. Hein. Parce qu'il me semble qu'il avait bien ressorti. Il a pas l'air content, oh lolo. Mais. Best to get some of them out of there. And much less fun to rob him and his score if he never finds out about it. All right, let's go pay our old friends a visit. Don't forget to grab that rifle from your horse. Les armes qui n'ont pas été placées dans votre arsenal avant de mettre pied à terre restent sur le cheval. Ouais. C'est qui mon cheval là? C'est celui qui est derrière là, non? Putain, je reconnais personne, je reconnais pas les chevaux, je reconnais pas. Je reconnais pas les persos. C'est qui mon cheval là? C'est pas toi. Hein. C'est toi. Mais vous vous ressemblez, wesh! Ah non, lui il est un peu marron le mien. C'est quoi ça? Ah, c'est la selle. D'accord. Allez hop. Le mien, ouais, il est plutôt marron, l'autre il est plutôt gris. Salut Fiasco. We'll circle around the far side and go down that way, same as Mike and Bill. Attends, ça on va tester. On a carabina. Yeah, just wasn't sure you agreed with me. Arthur, have you completely lost faith in me? Our needs, right? Mais range ton arme. Qu'est-ce que? On va écouter. Everything else, including Cole, can wait. Okay. There's enough of those bastards down there to deal with as it is. Now, come on. Je peux pas le pousser là. Et ça, il le range. Mais le mec, il a toutes les armes sur lui. D'accord, mais l'arme lourde, du coup, il la garde à la main. Jamais il la range. D'accord. Je pensais qu'il allait mettre dans son dos. Qu'est-ce que. Parce que R1, normalement, il range l'arme, mais. Pas celle-là. La faute à Poro qui s'est endormi comme un caca. Lucas! Lucas! Bah, le jeu est assez réaliste, donc en fait, il y a plein de manips qu'il faut retenir. Bah, après, c'est une question d'habitude. Hein. C'est le temps de la scène, nous dit Noah? Bah, je sais pas. I don't know! We will see. Maybe I should take the lead on this. They're going to be gunning for you. They ain't got me yet. No, but the way our luck's been running. Hush. Let's just get down there first. Down through these trees, quick. Y a quelqu'un qui parle. Putain, mais c'est hardcore autant de neige. Hein. Noah, le bot est en panne ce soir. Hein. RT. Reste discret, on va essayer. Alors attends, on va plutôt prendre le pistolet. Just make the call. You want to take the lead? Go. Je sais pas là. Dutch. Okay.
On va essayer l'autre arme, on va essayer l'autre arme. Attends, mais il y a la portée. Il y a plus de portée, ok. C'est ça. Paf. Tu peux arrêter de bouger, s'il te plaît. On vise assisté. Propolet. C'est comme sur GTA, en fait. Tu relâches et tu réappuies et ça revise automatiquement. Ouais, d'accord. Attends, je vais tuer toi. Pef, pef. Alors, mais te mets pas devant moi, l'eau. Youyou va. Mais... ça c'est hyper sensible et c'est pas stable en fait. Il reste qui là? On va avancer un peu. Bonjour monsieur. Ouais, là la visée, la vue elle est pas terrible. Hein. Je sais pas si on peut genre leur tirer dans le bras juste pour les désarmer. Stop, bougez monsieur. Merci d'être... Quoi ? D'où je l'ai raté, lui. Oh, la tombe. Vieux caca mou. Bonsoir. Mais vous êtes combien ? Gros jeu. Ouais, d'accord. J'aime pas du tout là où est le positionnement avec cette la barricade que j'avais là. Grosse action, grosse visée. Mais il y en a encore derrière, mais non. Ah si, je te vois. Dès que je te vois, je sais que c'est toi. Mais après, ça a l'air d'être lent, je pense, à regarder, mais il n'y a pas à jouer, en fait. Mais qu'est-ce que... Faut arrêter de rager. Voilà, je vais mourir à cause de vous, hein. Bravo. Bravo, Noir. Bonsoir. Oh ! Le mec dodge. Il devait fiasco sur LOL. Tu te relèves, toi, l'eau ? Le mec se relève. What the fuck. C'est très caca. Quoi? Ce jeu donne froid. Ah bah là oui. D'où c'est caca, wesh. Je vais rager de vous, hein. Je vais vraiment aller sur Twitch, hein. Ouais, 85 centimes. Popolette. Du tabac chiqué. Mais oui, Wendy. Quoi, ça tire encore? Mais... ils arrivent par la forêt. Bah, Fiasco, on va pas se mentir, je suis un peu déçu quand même. Pour la sortie de Red Dead... c'est pas l'enjaillement absolu. Ouais, gros positionnement. Active le sang-froid. Colo! Attends, mais laisse-moi sortir une arme déjà, peut-être, pour commencer. Merci. Sans froid de quoi, là? Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez du pain? Ah oui, d'accord. Ben oui, mais j'ai pas les autres en visu. Au secours! J'ai gâché le mode. Au secours! Je vais tirer 4 fois sur un pauvre mec. Nine. On va RT. Ok, bon, j'ai compris le principe. Par contre, je suis déçu du coup, j'avais pas beaucoup de. D'ennemis en vue. Tu es là, Max.
ça me fait plaisir. T'as vu ce proviseur là? Mais t'as même pas besoin de viser avec la vie assistée, hein. Tu fais juste ça, tu rengaines, tu dégaines. Ça touche tout seul quoi. Bon après c'est pas des headshots hein, forcément. Par contre je suis pas très bien placé là, hein. On va pas se mentir. Après il y a moyen de la désactiver j'imagine. Pef, mange ma barbe. Pour l'alert. Par contre le rechargement de cette arme est assez chelou. Sûrement très réaliste encore. Bon j'essaie d'ajuster un peu quand même pour faire des headshots. Ou pas. D'accord, le mec était mort. Ah d'accord. Ok ok. C'est trop mignon Fiasco, merci. Mais oui, non mais Noah, les abonnés continuent d'arriver, mais ils sont pas là, je comprends pas. C'est pas comme si je stagnais depuis mes 20 000 abonnés, non, je continue à gagner des abonnés, mais... Voilà, salut Natsu. Les carabines ont toujours été petits. Quoi? C'est une carabine, mais je sais pas, je connais pas les... Je suis pas spécialement fan des armes à feu. Mais le rechargement est très bizarre en fait sur cette arme. C'est assez surprenant. Et non, quand tu l'as, soit il la porte à la main, soit il la... Enfin, il la range pas derrière. Ou alors faut vraiment prendre autre chose. J'ai pris mon lasso. Est-ce que tu veux un coup de lasso? Zbra! D'accord. I said zbra! Mais ça marche pas, l'eau! Ça marche pas! Attends, faut que j'essaie ça sur... Mais ils auraient pu faire un truc rigolo ou un petit trophée pour ça, non? Spro! Attends, j'ai jeté mon couteau. Je vais sortir mon couteau. Ah, fouillons le bâtiment avec mon gros couteau. Alors... Là on va voir des conserves. Non non mais il l'a vu aujourd'hui Noir. Alors le tabac chiqué, je sais pas à quoi ça sert techniquement. Si c'est juste pour le swag de l'époque. I don't know. Du rhum. On peut partir sans fermer le coffre, c'est trop bien. This looks good. What do you think, Bill? Well, looks fine. Smells good. Come on. Le mec a dit ça sent bon. Think so, boss? Found this on one of them. Thank you. This is perfect. Oh yeah. Interesting. This is something about the train they was gonna rob. A Mr. Leviticus Cornwall. Mount back up. Let's keep moving. All right, let's get out of here. The world ends with you. Never. Surtout que c'est la version mobile qui a été portée. Donc ça ne m'intéresse pas des masses de toute façon. Faut maintenir croix, je crois. Allez hop. We'll see about that. Oh, indeed we will. You know, he'll come after us. Oh, of course he will, just like all the rest. But we're gonna stay a step ahead of them. Make sure we always know where they are before they know where we are. We allowed ourselves to get a step behind in Blackwater. That won't happen again. Aïe aïe. All
ces jours-là, je crois. Mais il continue quand même. Ah non, il s'arrête. Monsieur, l'eau. Fais pas ton you-you, l'eau. C'est reparti. Putain, ce bruit, je kiffe le bruit du galop dans la neige, là. Vivant. Yeah, le lasso. J'ai pas vu. Ah si, t'es là. J'allais dire, j'ai pas vu exactement où il est parti. Préparer le lasso. Ouais, ouais, bah attends, on va peut-être se rapprocher un peu quand même. Oui, non, mais est-ce que le cheval se... Oh putain. Sprra ! Ouais, d'accord. Ah, c'est Sprra ! C'est trop drôle. Hein ? Mais... Ah, petit bug de caméra. Allez, je vais te soulever. Comme Poro qui se fait soulever à 24. Un Poro. Le mec qui dort là. Chargé. Inventaire du cheval. Le mec a un inventaire en plus des armes. D'accord. Bah écoute, on va monter. Your name, boy? I don't know. You don't know your name? It's Kieran. Kieran what? Duffy. Kieran Duffy. Well, I ain't gonna lie to you. This is a real bad day for you, Kieran Duffy. Where are you taking me? Somewhere you ain't gonna like. Why? What are you gonna do to me? Something you ain't gonna like. So I'd advise you to save your breath for screaming. No, please! Bah le jeu est... Putain, elle était presque dans la neige. Le jeu est très bien pour l'instant, mais j'ai pas vu grand chose. J'aime beaucoup le côté cinéma. Après, 50 heures, ça me fait peur quand même. Hein. Donc faut voir sur la durée, c'est comme tous les jeux. On peut pas trop dire au bout d'une heure, mais... Le jeu est maîtrisé en tout cas, ça fait plaisir. J'ai hâte de voir aussi un autre décor, parce que bon, la neige, c'est sympa. Attends, on va le laisser se reposer peut-être, le cheval. La neige, c'est sympa, mais bon. Tu profites pas vraiment du coup de du décor, quoi, parce que c'est assez limité. Am I clear? Okay. That's two bones right there. Je ne crois pas, JL. JL qui dit tu le fais gagner. C'est pas prévu, hein. En plus il y a le mode online qui va arriver bientôt, donc je pense que c'est un jeu que je vais garder. Hein. Breath of the Wild. Ça dépend, tu peux le torcher très vite en fait. Hein. T'es pas obligé de faire les 4, je sais plus comment ils s'appellent, les 4 géants là. T'es pas obligé de les faire en fait pour affronter le boss de fin. C'est juste que tu vas te faire défoncer la tronche. Mais... Après Breath of the Wild, ouais. Il manque un truc quand même. L'aspect vrai donjon me manque hein, dans. Les donjons classiques à la Zelda, c'est un peu dommage qu'ils aient pas réussi à faire un mixte des deux. Yep. Attachez le cheval, merci. The Orden with you. Mais je veux pas... Mais non. Si tu veux, je te fais gagner Dragon Quest. Parce que je sais pas si je vais le faire Dragon Quest, honnêtement. Je pense que ça va être compliqué. Cabré. J'ai pas eu le temps de lire. Pour Cabré, R1, j'ai pas eu le temps de lire. Les 4 créatures divines, ouais. Oui, c'est ça. Merci bien.
Tu me l'achètes, ouais, d'accord. I got him. Very good. Welcome to your new home. Hope you're real happy here. You want me to make him talk? Oh no, now all we'll get is lies. Uncle, Mr. Williamson, tie this maggot up someplace safe. We get him hungry first. I got a saying, my friend. We shoot fellas as need shooting, save fellas as need saving, and feed them as need feeding. We are gonna find out what you need. I can't believe it! An O'Driscoll in my camp! I ain't an O'Driscoll, mister! I hate that fella! Oh, whatever you say, son. Well done, Arthur. I'm just sorry we missed out on Cole. Oh, there's time enough for that. Now, I gotta figure out if we can hit that train. Okay. Mais oui, Octopath Traveler, c'est le sang de la veine, fiasco. Yeah. Alors, j'ai pas regardé du tout combien de temps a duré la mission. Je pense qu'elle a duré au moins une bonne demi-heure. Parce que c'est très très mis en scène. Comme toutes les missions GTA, après le problème dans GTA, c'est que tu conduis pendant que tu as le blabla des PNJ, donc sur GTA c'est un peu compliqué de suivre. Là, ils ont mis le mode automatique, c'est pas mal. Au moins tu peux lire. Mais voilà, y a... ça j'aime bien chez Rockstar quand même, c'est ça. À chaque fois que tu fais le trajet pour les missions, tu as le blabla des persos. Alors ce qu'on va faire, on va pas enchaîner directement. Mais on va pas conclure non plus. On va voir si on peut se balader un petit peu. Je ne sais pas. J'étais aux œufs du dialogue. Ouais, mais des fois t'as des... Non, c'est intéressant, t'as des trucs rigolos. Mais tu vois, il y a toujours ça, le... Le dialogue entre les joueurs, enfin les persos, j'aime bien. Alors par contre, mais je sais pas s'il y a un côté libre. Dans le premier, il y avait, hein, t'avais plusieurs villes, tu pouvais te balader, t'avais les saloons, t'avais, voilà, t'avais des villes différentes. T'avais aussi des forts à prendre, je crois. Ou alors c'était en ligne, je sais plus. Mais là, malheureusement, même si je me balade, je crois que je vais pas trouver grand chose. Hein. Je sais pas où on est, mais. Essayer de trouver un PNJ. Oh, on va prendre le cheval. Je sais pas s'il y a pas moyen de le siffler. De toute façon, il est attaché en théorie. Non mais JL, le mec a cru. Non, moi ce que je fais gagner à Noël, c'est les trucs que j'ai utilisés. Hein. Enfin, les trucs que j'ai déjà. Hein. Je gagne pas assez sur YouTube pour me permettre de faire de vrais cadeaux. Hein. Le mec a cru. Donc on voit pas grand chose, fiasco, et puis on sait pas si c'est la vraie map, si ça s'étend après. On sait pas. Le cheval. C'est vraiment génial. Bonsoir. Est-ce qu'on peut juste le caresser? On peut l'étudier. Quoi? Je t'étudie. Ah, t'as les stats. Ok. Je peux le caresser. Good boy. Par contre... Là, du coup, on n'a pas d'armes. Parce que je suis pas en mission. Colo. Parce que c'est le début, j'en sais rien. Là, j'ai que les objets, j'ai pas les armes. On va essayer de se balader un peu. Je sais pas vous, parce que je vois rien, mais on va essayer de se balader. Non, à chaque fois, j'appuie sur le pavé tactile pour afficher la map. C'est pas le bon bouton. Parce que la map, t'as un glacier au nord, t'as... On va aller voir l'Elisabella Lake. On peut placer un marqueur, voilà. On va aller voir par là-bas. Ok. Bon, en attendant, on va faire un sondage. Je pense que je vais faire un sondage pour demain. Sur la communauté YouTube. Là, pour le live. Juste pour voir, au moins. Et ceux qui sont là, je sais pas si vous préférez Twitch ou YouTube, go le dire maintenant. Et go compter, hein, même si vous êtes que 3 à parler. Dark, je sais pas, écoute, oui, il y a des gens qui sont partis.
Et c'est pire qu'avant, je trouve. Donc c'est pour ça que j'hésite à essayer de retenter Twitch. Mais bon, ça va être comme d'habitude. Ça va être à moitié désertique, je pense. Mais sur YouTube, c'est vraiment pire. Hein. Ah merde, je regarde le chat. Non ! T'es pas mort ? T'es juste fatigué ? Votre cheval est mort à cause des conditions de météo difficiles. Bah bravo ! Mais qu'est-ce que... Attends, je peux quitter, relancer ? What the fuck ? En plus, je regardais pas l'écran, j'ai pas vu si sa jauge s'est vidée à vitesse grand V. Mais... T'as la queue qui bouge, t'es pas mort. Est-ce qu'on peut charger la sauvegarde ? Ça marche comment ? Et je vais mourir aussi. Bah, go mourir dans le froid. Mais en fait, le jeu nous empêche, voilà, d'aller nous balader. Ah, je meurs de froid, bouga 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 bouga. Bah, je préfère mourir avec le cheval. Hein. Donc, c'est... on peut pas se balader pour l'instant, clairement. Ah. Ils ont pas mis le wasted. Je suis so triste. Mort, assis, lié, j'ai rien dit. Bon, pour l'instant, on peut clairement pas se balader. La déesse... je sais plus laquelle j'avais, mais j'avais une déesse. Bon, bah RT. Hein. Ah là là. Là, c'est que c'est le début, donc... tu peux pas aller te balader, clairement. Je pense qu'après, on sera dans une zone un peu plus classique. Par contre, j'espère que j'ai pas perdu le cheval à tout jamais, hein. My God. Le mec boit de l'eau à la rivière. Est-ce que mon cheval est mort ? Je ne le sais pas. Ah non, il est là. Mon cheval ! Le bestou. Par contre, faut que je mange là, wesh. Ok, boy. On va s'empresser d'enlever ce marqueur de mort. L'Isabella Lake. On verra ça plus tard. Non, là, c'est le carnet. Je veux pas le carnet, je veux la sacoche. Cigarette, c'est pour ramener du sang-froid, ok. Oula, les crackers, c'est pas terrible. On va en manger un bout tout de suite. Allez hop, c'est juste histoire de pas être dans le rouge. Non, non, la mission, ça attendra demain la suite. Hein. Bah, c'est pour ça que j'ai préféré me suicider, parce que si je serais revenu, je sais pas comment j'aurais récupéré le cheval, en fait. Ça aurait été bien triste. Du coup, on va retrouver où le poser. Mais oui, t'as des besoins, tu dois faire gaffe à ta bouffe et tout. Alors, je sais pas si... Ouais, non, faut le poser là, bien spécifiquement. Attacher le cheval. Pef, pef. Bon bah écoutez, on va pouvoir conclure l'épisode là-dessus. Après cette petite mort fort sympathique. Donc je vous dis bah merci d'avoir regardé. Et puis bah bientôt pour la suite. Ciao, ciao.